De retour sur Radio Grésivaudan pour cette deuxième partie, et à Lavina, pour cette deuxième partie de l'affaire Pasolini, l'assassinat de Pier Paolo Pasolini, déguisé en affaire de mœurs et ce que ça révèle du système qui visait en Italie, à travers les années de plomb, la stratégie de la tension, à remplacer toutes les instances démocratiques et étatiques italiennes par des institutions privées. C'était le programme de la loge P2. Alors, le fondateur présumé de la loge P2, en tout cas son grand maître apparent, c'était Licio Gelli. Alors, Licio Gelli, c'était un homme, donc un Italien, je crois, d'origine toscane, qui s'était engagé très tôt en faveur de Franco pendant la guerre d'Espagne. Il a été décoré par Franco, ensuite il s'est engagé dans le fascisme. Lors du chaos de la libération de l'Italie, il est passé du côté des communistes, en revenant du côté des fascistes. Il a libéré les communistes pour après les dénoncer. Il a servi comme agent infiltré de l'Union soviétique. Il a communiqué des informations aux communistes de l'Union soviétique. Après, il a été aussi agent en Roumanie. Donc il a une vie extrêmement, extrêmement double, et surtout il était très proche du gouvernement dictatorial de l'Argentine à l'époque du plan Condor dans les années 60, et il s'est revendiqué fasciste toute sa vie. Il a dit « je suis né fasciste sous Mussolini, j'ai grandi dans le fascisme, j'ai combattu pour le fascisme, et si Mussolini revenait aujourd'hui, eh bien je serais avec lui et je combattrais pour lui, et de quoi qu'il en soit, je mourrais fasciste. » Et à travers le plan de la loge P2, qui s'appelait Rinascita, Renaissance, dans les années 70, le but selon lui, c'était de totalement régénérer l'Italie, parce que les choses ne fonctionnaient pas à cause de la crise. C'était de remettre les valeurs de hiérarchie, et de hiérarchie, alors pas d'obéissance, il y a un autre terme qu'il a employé que je retrouverai après, mais voilà, donc des valeurs traditionnelles pour régénérer l'Italie. Et alors, il a eu des liens très proches avec Berlusconi, on va reparler tout à l'heure de Berlusconi, mais ce Licio Gelli, donc, qui revendiquait d'être fasciste jusqu'à l'âge de 90 ans, hein, il est mort très âgé après un emprisonnement, une évasion, une cavale, hein, il est revenu en Italie, eh bien, Cefis, en fin de compte, à travers le procès qui a eu lieu de la loge P2, il est apparu que c'était sans doute pas le grand maître de la loge P2, que Licio Gelli n'était pas le grand maître de la loge P2, mais que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus puissant en termes d'industrie. Et bien, c'était Cefis dont nous avons parlé. Simon, tu nous présentes un petit peu Cefis. Alors, Gino Cefis, il est né en 1922, il est mort en 2004. Et en fait, il était dans... Il a connu Enrico Mattei, parce qu'Enrico Mattei était les chefs de la résistance dans le nord de l'Italie, en Lombardie, face aux fascistes de Salo. Et, on reprécise que Salo, c'est une ville qui est en Lombardie. Voilà, hein. Voilà, donc ça s'écrit S-A-L-O, donc c'est un peu une ironie de l'histoire. Hein. D'ailleurs, Pasolini dit, c'est parce que Salo a aussi cette consonance... Salo, S-A-L-A-U-D, en français, que j'ai bien insisté sur, j'ai bien insisté dans son film sur Salo, quoi, faisant commencer par Salo. Voilà, et donc Cefis était un peu le bras droit qui était le jeune que formait Mattei, et en fait qui jouait un petit peu aussi, qui avait aussi des rôles troubles à ce moment-là. Et il a essayé de constituer un empire... avec l'entreprise Eni, qui avait tous les marchés de l'État, qui était une sorte, commençait dans les années 50, avec ces fameux, aujourd'hui on dirait, les partenariats publics-privés, à être un État dans l'État. Et donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, il a profité de la mort de Mattei en 62, et après a essayé de racheter... La mort de Mattei, assassiné, hein, c'est-à-dire un avion qui saute, et les soupçons se sont portés sur Cefis. Hein. Et lui, il a jamais, enfin, il a
jamais fait l'objet de ce qui était le cas de Gélis, de poursuite ou de procès. Voilà. Il était réellement puissant au niveau économique que Gélis. Et voilà. Et donc le livre dont tu as cité quelques passages, tel est chez Fils de 72. Donc Pasolini a eu en a eu copie par un journaliste quelques mois après sa parution, et aussi d'autres livres, au moins trois autres livres, là les noms m'échappent, enfin, mais dont un aussi qu'il a eu, sans doute eu connaissance, qui était aussi écrit par pseudonyme, ça s'appelle Super Potere, je crois, Super Pouvoir, en 75, qui montre effectivement on a parlé de cette loge propagande douée de 70, mais il y avait probablement ensuite beaucoup de formes de hiérarchie qui n'étaient pas rendues au vu sud de tout le monde, peut-être jusqu'à P7. Enfin, oui, on pense, oui, en tout cas des gens, des magistrats ou des journalistes ont dit ouvertement que l'histoire de la loge propagande ne s'était pas arrêtée avec la loge P2, mais que c'est sans doute allé jusqu'à la loge P7 et qu'elle était toujours bel et bien vivante. Hein. Et donc c'est en fait c'est au départ sur une enquête judiciaire ordinaire sur l'assassinat de la mort de Carabinieri dans les années 70, une enquête qui rebondit en 80 qui va faire aboutir sur la perquisition chez Licio Gelli et on va voir une liste des noms, probablement pas tout à fait complète, mais en tout cas il y a à peu près entre 900 et 1000 noms de membres de l'HP2 dans lequel on va retrouver un certain Silvio Berlusconi. Donc à l'époque on n'imagine pas son rôle politique. Il était déjà très riche, mais il n'était pas aussi influent qu'aujourd'hui, c'était une manière effectivement. Et alors parmi eux il y avait des industriels, des patrons de presse, des gens du Vatican. Vito Micheli qui était un des chefs des services secrets. Voilà. Voilà, les services secrets. Donc ils vont être purgés, il va y avoir en tout cas une restructuration. Des carabiniers. Et tout ça. Ouais. Donc voilà, chute de la loge P2, c'est en 1981. Alors, rappelons ce qu'a déclaré Licio Gelli dans ses interviews, c'est-à-dire qu'il dit « nous tenions l'Italie », c'est-à-dire qu'en fait il tenait véritablement l'Italie, et son plan à Rinascita, qui devait sauver l'Italie pour remettre un régime de type dictature sud-américaine libérale, hein, eh bien, il était en bonne voie, et lui était persuadé de faire ça pour le bien d'Italie. C'est-à-dire, c'est quand même ça qui est intéressant en l'écoutant. Pas une seule seconde, il remet en question le fait qu'il amenait le pays vers le bien avec des valeurs traditionnelles, structurées, parce qu'il dit, eh bien, pendant le fascisme, Mussolini, et d'ailleurs c'est une vérité historique, avait fait disparaître la mafia quasiment en une semaine. Chaque jour on voyait défiler des mafieux ou des prêtres, des gens corrompus, soit ils étaient tués, soit ils étaient arrêtés, soit ils étaient exilés, ils étaient envoyés aux confines. Et du coup les choses tournaient bien, il n'y avait plus d'insécurité, il y avait de la sérénité dans le pays. Donc en fait, quand on réduit un pays effectivement à ça, on peut s'estimer satisfait, sauf que il y a plus d'âme. L'ordre totalitaire, c'est l'État voilà. Qui a pris voilà. La place Et puis, voilà, il y a plus d'âme, il manque toute une dimension de créativité, de liberté individuelle, de spiritualité, de relation. Aujourd'hui, on parlerait d'écologie, c'est-à-dire que c'est une direction, et aussi une économie de guerre, avec du racisme, avec des choses qui sont tenues avec des valeurs traditionnelles, avec une femme qui on peut réduire à un ventre, c'est-à-dire un retour aux valeurs romaines. Hein. C'est juste pour expliquer aux gens qui manquent un peu de culture politique que Licio Gelli, il nous fait de l'intox, là, même si pour lui, c'est le système idéal. Alors, de coup, il y a ces personnages doubles, quoi. Gelli, enfin, ces personnages dans l'ombre, dont un va prendre la lumière, Gelli, et l'autre, chez Fils, restera relativement dans l'ombre, et accepter ses quelques livres. Mais ce qui va piquer l'intérêt aussi de Pasolini, je pense, dans son roman Petrolio et même peut-être dans son film Salo, c'est un discours que chez Fils fait en 72, qui s'appelle, devant l'une des militaires, en fait, à l'Académie militaire de Modène, dont chez Fils avait fait partie, donc de février 1972, qui s'appelle Ma patrie s'appelle multinationale. Voilà.
Et c'est très fort, ça, ça c'est très très fort, c'est un discours très important parce pour comprendre. Parce que si on fait le lien avec la mondialisation, la dévalorisation du sentiment identitaire ou bon, du nationalisme, qui n'est pas une valeur en soi, mais du sentiment d'appartenance, de l'idée de frontières, de contrôle de l'État, de protection, de protectionnisme, 1972, ma patrie, c'est la multinationale, je veux dire, c'est quand même très fort. Alors, tu voulais lire le début peut-être Oui, enfin, prendre il y a quelques exemples. Un passage, mais... parce que c'est, voilà, c'est vraiment une profession de foi. C'est à l'époque où Pompidou, ancien directeur de la Banque Rothschild, est à la tête de la France. On est en train d'endetter la France par la loi Pompidou-Giscard en 1973. Donc, il y a vraiment une offensive extrêmement forte. Là, oui. Leur modèle aussi, mais c'était aussi le modèle du plan de la Renaissance démocratique, l'Enchita, dont tu nous en parlé, c'était un peu le modèle aussi de la présidentialisation. Il fallait un pouvoir fort, et un peu le modèle de la France aussi, qui, je pense, en entrée en ligne de compte. De la Ve République. La Ve République, parle ensuite, dans le, à la suite de ça, d'autres présidents ou d'autres premiers ministres ont voulu suivre, n'ont pas réussi tout à fait à faire appliquer ce plan, là, pour le coup, pour l'Italie. C'était le cas de ce que voulait Cossiga, et peut-être ce que même a voulu. Plus récemment, ouais. Massavini. Voilà. Alors, je reviens sur le discours de Tchéfis. J'en cite quelques lignes. Voilà. Voilà. On a horaire. Peut-être qu'on refera une émission. Enfin, parce que ça, effectivement, ça oui, vaut la peine. Tout à fait. Quelques lignes de début, quelques lignes de fin. Voilà. J'ai quitté Modène, parce que donc il parle à Modène. Quand on pensait encore que la guerre pouvait se gagner avec des baïonnettes, hein, voilà. On s'appuyait sur une agriculture de subsistance, l'agriculture de la faux, et sur une industrie enfermée dans les schémas étroits de l'autarcie voulue par le fascisme. La guerre nous a jetés dans la mêlée face à qui avait déjà compris que les batailles se gagnent avec des chars d'assaut, face à qui s'appuyait sur l'agriculture du tracteur et sur une économie ouverte, open society, sur les grands, l'économie ouverte sur les grands espaces internationaux. Voilà. Il y a 30 ans, l'officier avait encore une fonction de type 19e siècle. Voilà. Et puis quelque chose a changé dans le monde depuis l'année 45, voilà. Depuis les explosions atomiques, depuis l'âge atomique. Et l'ère des managers aussi. Voilà. Il doit être, l'officier doit être, c'est un peu l'équivalent du discours de l'officier de Lyotet, ceux qui voient sur, par rapport à, pour la France, la Troisième République. Quoi. D'un côté, il doit être citoyen du monde, l'officier, parce qu'il a un devoir de dimension mondiale pour la défense de la paix. C'est un peu orwellien, ça. De l'autre, il doit comprendre toujours mieux les mécanismes politiques, surtout économiques, qui, plus que la puissance militaire, influencent notre avenir. Ça, c'est intéressant. Tu peux répéter la dernière phrase, là, sur la puissance, les rapports économiques. Voilà. D'un autre côté, l'officier doit comprendre toujours mieux les mécanismes politiques, et surtout économique, qui plus que la puissance militaire influence notre avenir. Voilà, en gros, l'armée doit seconder l'économie, et on tombe sur les Chicago Boys, la CIA, c'est concomitant les coups d'État, c'est la même période, et un gouvernement autoritaire avec un régime libéral. Voilà, alors je donne quelques... C'est un long discours. Voilà, parce que c'est long de la fin. Est-ce que tu peux montrer le livre avant d'arriver à la fin du discours? Voilà. On le trouve en français dans ce livre de Carla Benedetti et Giovanni Giovannetti, PD c'est tout, pétrole ou les dessous cachés du meurtre de Pasolini. Voilà. Voilà. Alors, cette Carla Benedetti est une personne intéressante, donc je crois qu'elle est enseignante à la Scuola Normale Superiore, ou non, elle a donné une conférence, mais en tout cas, elle a fait ses études entre autres à Chicago. Donc, elle a enseigné, j'y arrive, elle a enseigné à Chicago, elle a été l'élève de Gérard Genette, comment dire, un littérateur, enfin un théoricien de la littérature, on n'a pas le temps de parler de Gérard Genette, hein, à l'école pratique de hautes études en sciences sociales à Paris, hein, PHESS, enfin, je mélange un peu les deux, PHESS. Voilà, elle a enseigné dans les plus grandes universités du monde, et donc elle a consacré ce livre à Pasolini, et elle pose une question, pourquoi, comment est-ce que des populations entières peuvent croire à la version de l'assassinat comme ça, du crime crapuleux, ou du règlement de compte, ou de, voilà, de l'autodéfense, quelle que soit la façon dont on l'appelle, alors que tout démontre que Pasolini a été tué, parce que, eh bien, quelques semaines avant sa mort, il a dit de façon très solennelle, je connais les noms, je connais les lieux, je pourrais parler, et donc il menaçait la structure même bien, du pouvoir en Italie. Et si c'était moi qui disais ça, bon, on ne me prendrait peut-être pas au sérieux, mais Pasolini, c'est quand même quelqu'un à la renommée mondiale, et quelqu'un comme lui qui aurait des relations fracassantes dans les plus grands journaux du monde en disant, voilà, il y a une loge maçonnique,
avec la CIA, la mafia, le Vatican, l'extrême droite Gladio. C'est eux qui ont fait les attentats de la gare de Bologne, de Piazza Fontana à Milan, de l'Italicus, et encore un quatrième qui Alors, m'oublie un Bologne, peu c'était là. pas à ce moment-là, mais ce qui manque, c'est C'est 80. 1980, oui, Bologne, c'est 1980, voilà. C'est-à-dire, il y a eu ces attentats, ils sont faits, ces attentats, par l'extrême droite italienne, avec la mafia, avec le gouvernement et les grandes industries, pour mettre la tension et pour empêcher tout grand changement dans la société, pour les pouvoirs, ça aurait été complètement explosif. Et donc, on l'a assassiné, comme on a assassiné Aliko Matei, comme on a assassiné Aldo Moro, quoi. Alors, on peut citer pour moi ce qui est un de ses derniers articles du 28 août 1975 de Pasolini, Oui. voilà, qu'on retrouve en français dans les lettres luthériennes, si les gens veulent le lire, qui s'appelle « Il faudrait juger les dignitaires de la démocratie chrétienne Ouais. ». Donc là, c'est un extrait. Il faudrait juger le gouvernement français pour sa gestion du Covid hein, et sa association mafieuse avec Jailed et beaucoup de personnes comme ça. Alors là, les mots qu'il emploie donc, en août 75 sont indignité, mépris pour les citoyens, manipulation des données publiques, combine avec les pétroliers, les industriels, les banquiers, connivence avec la mafia, ou trahison en faveur d'une nation étrangère, collaboration avec la CIA, recours illicite à des organismes tels que le service de renseignement militaire, responsabilité dans les massacres de Milan, de Brescia et de Bologne, donc c'est l'Italicus, du moins au titre de leur coupable incapacité de punir les exécutants, destruction du paysage et des centres urbains italiens, responsabilité dans la dégradation anthropologique des Italiens, je saute des passages, hein. Responsabilité quant à l'État, effrayant comme on dit des écoles, des hôpitaux et tous les principaux services publics, responsabilité dans l'abandon sauvage de la culture de masse et des médias, responsabilité de la stupidité criminelle de la télévision, voilà. Responsabilité dans la décadence de l'Église, enfin plus de tout le reste, l'attribution de charges publiques à des adulateurs, à l'instar de ce qui se faisait sous le règne des Bourbons. À des quoi? À Des adulateurs. des adulateurs, oui, des flatteurs. Des flatteurs. Donc ça, c'est un des derniers discours Dernier discours de Pasolini, de fin août Fin août 75, 28 août, paru le 28 août 75. Voilà. Alors, il nous reste combien là? 10 minutes, un quart d'heure ouais, voilà. Là, il reste 10 minutes, moins de 10 minutes, voilà. 10 minutes, enfin, 10 minutes. Très bien, on a un technicien. du coup, on doit être extrêmement efficace. Parlons de Berlusconi. Berlusconi, Licio Gelli, dans une interview, au début... Alors, je crois que c'était au début des années 2000, dit chaque jour, je me lève, je vais acheter les journaux, je les lis, et je suis un homme comblé parce que je vois Berlusconi en train de réaliser le programme de la loge P2. Donc c'est extrêmement fort, hein, cette affirmation de Licio Gelli, parce que Berlusconi, c'est aussi l'incarnation du Titi-tainment. Alors le Titi-tainment, c'est une notion forgée par Zbigniew Brzezinski, l'éminence grise de la CIA à partir des années 60-70, et qui est la théorisation du fait qu'il faut abrutir le peuple par la sous-culture, le divertissement, entertainment, et en lui montrant des scènes de femmes et tits. Et donc Berlusconi, c'est ça à la lettre. Moi, je vais en Italie depuis que je suis né, je suis à moitié italien, et quand on mettait les télés de Berlusconi, Canale 5, Rete 4, Italia 1, c'était ça. Il y avait des vellines, des jeunes femmes dévêtues, pulpeuses, etc., avec des jeux. Et Berlusconi, il a été élu 2 ans après l'opération Main Propre en 1994, c'est-à-dire 2 ans après l'assassinat de Falcone et Borsellino. Les juges anti-mafia. Hein, ouais. Les juges anti-mafia, tous les deux à 2 mois d'intervalle à Palerme, hein, c'est un drame absolu. Malgré toutes les arrestations, les maxi-procès, les suicides de personnes mêlées à tout cela, il y a 2 ans après, c'est Berlusconi qui est eu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée d'être optimiste, de divertir, de laisser le passé derrière soi. Donc c'est le grand divertissement, même dans le sens pascalien du terme. Mais c'est complètement diabolique. Hein. Tu parlais de mafia. On peut citer quelqu'un d'extrêmement important, c'est Marcello Dell'Utri. Voilà. C'est un véritable Satan. Donc il était dans le parti de Berlusconi, et puis il a eu quelques procès à faire. Oui. En fait, c'est un ancien de l'Opus Dei qui formait qu'on appelle le bibliothécaire, parce qu'il était très. Visiblement, il gérait la bibliothèque de l'Opus Dei de Sicile, sicilien palermitain. Juriste. Enfin bon, il y a beaucoup, ouais, beaucoup de facettes. Voilà. Et donc, il a dit en 2010 qu'il avait quelques chapitres, parce qu'il y a un chapitre qui manque dans Pétrole, qui s'appelle Éclairage sur l'ENI, la fameuse société de Enrico Mattei et puis de chez Fils. Et donc, lui a dit en tout cas qu'il savait. Où était ce chapitre, et donc c'est probablement comme monnaie d'échange pour éviter
d'être trop embêté. Il a parlé à bon escient en 2010 à des journalistes, en disant même qu'il allait l'exposer dans un salon du livre ancien, mais il n'a pas fait. Bon. Ouais. Voilà. Mmh. Mais du coup c'était un clin d'œil qu'il a fait au moment où il y avait des ennuis judiciaires. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a été reconnu par la justice comme le lien entre la mafia sicilienne et l'empire de Berlusconi, donc la loge P2, donc les mafias italiennes, donc le gouvernement italien, puisque Berlusconi a été plusieurs fois président du Conseil. À trois reprises, donc c'est considérable. Voilà, entre 1994 et la fin des années 2000. Marcello Dell'Utri a déclaré au sujet de Vittorio Mangano, qui a perpétré plusieurs des assassinats, et même un massacre de cette période-là, hein, que c'était un héros parce qu'il n'avait donné aucun nom au cours des années qu'il a passées en prison, sachant que Marcello Dell'Utri a aussi passé 7 ans en prison. Et Berlusconi, en 2013, lui aussi a employé le mot « héros » pour parler de Vittorio Mangano, ou Mangano, hein, qui était vraiment qui était un mafieux, qui lui aussi a joué exactement le même rôle que Marcello Dell'Utri, sauf qu'il n'était pas homme politique, c'était plutôt un homme de main. Il s'est beaucoup occupé de la fameuse maison de Berlusconi, je crois, à Villa Brianza ou quelque chose comme ça. Donc voilà le genre de personne qu'il y avait. Et puis, toujours dans l'idée du titi-tainment, du divertissement, il y avait l'équivalent de notre Michel Drucker, c'était Maurizio Costanzo, un grand divertisseur italien, qui avait créé le Maurizio Costanzo Show, d'une grande bêtise, d'une grande vulgarité, avec quelqu'un complètement voilà, satisfait lui-même, et qui visait vraiment à abrutir les gens, c'est-à-dire que c'était des soirées entières, parfois des journées entières avec ce genre de personnage, dans la télé de Berlusconi, et ça tire tout le monde vers le bas, ça abrutit la culture, comme le disait très bien Pasolini, et ça enlève à la population la capacité à penser la société, à se penser même, à imaginer autre chose, abruti par une sous-culture. Et ça, c'est véritablement une stratégie, encore une fois, mise en place, pensée par la CIA, parce qu'on jugeait que finalement, le gouvernement, il s'occupait un peu trop de l'éducation des peuples. Hein. Ça, c'est des choses qui sont attestées. Puis la transformation de la télévision, on peut faire des analogies avec la France, mais la télévision, les années 60, doit être relativement éducative, même si elle est autoritaire, d'État hiérarchique. Mm-hmm. Et puis à partir des années 70, il y a l'abandon absolu de cette velléité, de cette vocation de la télévision, et on passe sur la télévision du divertissement, qui, comme dirait l'autre, fait diversion. Et là, pour faire diversion, le divertissement s'intéresse aux faits divers et au divertissement, et en fait, détourne l'attention principalement des peuples. La peur et l'admiration, c'est-à-dire, finalement, c'est un peu le cerveau reptilien, hein, le désir sexuel, ou comme ça, le rire primaire, et la peur qui fait que les gens se divisent et oublient d'être intelligents, hein, parce que, voilà, c'est une chose qu'on enlève. Alors, la violence, elle était instrumentalisée par ce pouvoir-là, par l'OHPD, aussi bien comme venant de l'extrême gauche avec les Brigades Rouges, hein, qui auraient été commanditées pour l'assassinat d'Aldo Moro, faire le rapprochement historique, que par l'extrême droite à travers le mouvement Gladio, qui aurait été d'anciens fascistes. Et l'Ordre Noir, une sorte d'international fasciste européenne. Oui, ils sont basés aussi au pays de Salazar, enfin à l'époque à Lisbonne. Tout à fait. 69, et tu parles d'ordre noir, ça rappelle aussi Fabrice Drouel dans une émission sur France Inter qui résume assez bien la OHPE2, dit que c'était un véritable cabinet noir du gouvernement, du conseil italien, l'OHPE2. Hein, c'est-à-dire que là où se prenaient véritablement les décisions, et donc c'est pour montrer que le shadow cabinet, voilà. Oui, le cabinet noir. Ouais. Le film Le Parrain. Le troisième épisode évoque quand même cette histoire de la loge P2 en 1990. Hein. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut... Bah oui, parce que le producteur de Coppola, voilà, italo-américain, veut absolument qu'il fasse un Parrain 3 parce que ça lui rapporte de l'argent. Et puis alors, du coup, il dit, bah, d'accord, mais dans ce cas, moi, je glisse quelques petites quelques allusions. Quoi. Donc, il profite finalement du côté blockbuster, si j'ose dire, ouais, avant l'heure. Pour donner le parrain le plus politique, voilà. Le parrain 3. Donc on invite les gens à le voir. Il y a l'assassinat de Jean-Paul II, qui n'a régné que 3 jours. Jean-Paul Ier, oui. Jean-Paul Ier. Et la tentative de Jean-Paul II, bien sûr, il y a une tentative. Alors l'assassinat de... l'assassinat de Jean-Paul Ier, son corps n'a jamais été autopsié, donc sans doute empoisonné et pas mort dans son sommeil. Alors, Francesco Cossiga aussi, ancien ministre de l'Intérieur, devenu président de la République, justement, alors, à la fin. Au moment où le mur s'écroule. Et là, c'est intéressant. Tu peux résumer cette période, en quelques mots, par rapport justement au
la mise en place. Deux minutes. Ok. Oui, Kosiga donc était ministre intérieur et donc a couvert en partie vraiment le meurtre de Moreau. Enfin, pas à tout, n'a rien fait pour le délivrer. Hein, mm-hmm. Et ensuite, donc, il va devenir président de la République. Il va tenter lui aussi donc de présidentialiser, d'intervenir vraiment activement dans la vie politique italienne. Au bout d'un moment, ça va déplaire à certaines personnes, donc ils vont arriver à le stopper. Et du coup, après, on va mettre que des présidents assez technocrates, bureaucrates, à sa suite, au moment de l'opération main propre, ou l'opération blanchiment, j'allais dire. et voilà, et en fait, et Kosiga va encore garder, par exemple, tout un système d'écoute dans son domicile personnel. Ouais. Donc il va garder par devers lui des tas de... Bon, on va être obligé d'arrêter. On n'a pas parlé de Michele Sindo et de Roberto Calvi. On peut faire l'objet d'autres. Oui, voilà. On en parlera sûrement. Merci à Fred, à la technique. Merci aux auditeurs de Radio Résivaudan, à ceux qui suivent Lavina. Donc c'était Simon Lambersen et François-Marie Perrier. La loge P2, scandale d'État, moi j'avais envie d'intituler de P2 à Macron 2 pour le gouvernement qui nous baillonne au propre comme au figuré. Merci à tous, à bientôt. À bientôt.